Thank you, everyone, once again. It's mobility, why? It's really to cross the vision of different experts. Because, you know, the mobility of the future, it's not only flying the air or being in tubes, it's as well thinking about our planet, about our impact on the planet. So we have to think it's a cross question, I would say, if my English is correct. And of course, today we will have to speak a bit of English because we want it to be international. In Le Mans, we are very famous for the history of mobility and we want to be the next step. We have some great events in Le Mans, the Symposium Hydrogen this year, and it will be every year. We have Les Assises, which is an event about, I would say, the four wheels vehicles, which will be every year as well. And X-Mobility is more about the future. What's the next step? So, X-Mobility is a quite new event. Last year, thanks to ID4Car, we had the opportunity to share the same moments. And this year, we want to do something on our own, because X-Mobility become like a brand, and we want it to be to exist every year. So thank you very much, and we have the beginning now. Yes, that's for sure. Merci beaucoup Antoine Charbon. Donc on va évidemment aussi traduire rapidement deuxième édition internationale. Donc on est là vraiment pour croiser toutes les mobilités, pas seulement les quatre roues, on a les assises de l'automobile pour ça, donc ça sera début de l'année prochaine. Hein. Nous ici, c'est la deuxième édition, on veut vraiment croiser toutes les mobilités et on a beaucoup de beaux projets. Avoir les mobilités, c'est une chose, avoir leurs impacts et les conséquences, et bien c'en est une autre. Donc évidemment, on va balayer tout cela. Et je crois, Antoine, qu'on va accueillir d'ores et déjà notre premier invité. Il s'agit de Monsieur le maire du Mans et président Le Mans Métropole, Monsieur Stéphane Le Foll. Merci d'être ici. Merci. Je vous laisse la parole. Merci à vous. Welcome. We are au stade. Qu'est-ce que je vais vous dire? Deux, trois choses. Vous êtes juste derrière le circuit et je vois d'ailleurs que c'est des motos qui courent ce matin. Ça va être un peu compliqué et légèrement glissant. 24 heures du Mans, c'est une marque qui est connu dans le monde entier. J'ai souvent dit et répété que Le Mans a donné son nom à une course qui est mondialement connue. Il faut maintenant que Le Mans soit dans la course. Et si vous êtes là, c'est pour être justement dans cette course à l'innovation. Cette association, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, elle est dynamique. Qu'est-ce qu'on vient chercher? De la vitalité. Qu'est-ce qu'on vient chercher? De l'envie. Qu'est-ce qu'on vient chercher? De l'ambition. Et je trouve que ce matin, ce que vous faites, c'est sous cet angle-là qu'il faut prendre. Après, il y a les questions technologiques, il y a les questions techniques, il y a les questions d'innovation. Quel est l'avenir de la mobilité? Il y en a deux, à mon avis. Le premier, c'est quand même qu'il va falloir qu'on pense la mobilité sans les énergies fossiles. Ça, c'est un acte qu'il faut poser, sans les énergies fossiles. On va chercher à se passer des énergies fossiles. On a au Mans commandé un bus à hydrogène. On va chercher avec la CO à mettre en place une plateforme pour l'hydrogène. Parce qu'on a fait le pari, et la course des 24 heures aura un prototype à hydrogène, fait le pari de cette nouvelle énergie qui donne de la puissance et qui doit nous permettre justement d'innover. Et sur ce premier volet, rompre avec l'énergie fossile. Puis après, derrière ça, il y a tous les enjeux de ce qu'on appelle l'autonomie, la mobilité, les nouvelles mobilités. Ça, c'est des sujets qui portent sur l'organisation des mobilités et qui sont extrêmement importants. Parce que derrière, il y a des entreprises de services qui peuvent se créer, qui peuvent se développer. Et puis, il y a aussi des technologies, puisque tout ce qui va être autonome nécessite des GPS extrêmement puissants, une gestion des données, des statistiques aussi sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. Et il y a des projets qui sont en cours, en particulier sur Le Mans, et avec, bien sûr, le circuit, puisqu'on a un avantage, je le dis quand même, c'est qu'on est une ville moyenne. Le rural n'est pas loin. Et on a un circuit, par définition, qui est mondialement connu. Ces trois atouts-là, ça fait trois atouts pour développer ici une stratégie de la mobilité de demain, puisque les tests peuvent être faits à la fois en ville, à la fois en rural et à la fois sur le circuit. Donc ça, c'est un atout qu'il va falloir qu'on valorise. Et qu'on va chercher à valoriser avec la CO, bien sûr. C'est en tout cas ce qu'on a commencé à faire, ce qu'on va poursuivre. On est très heureux de vous avoir ici, et puis je vous souhaite surtout une vraie réussite pour cet événement. Si j'ai bien compris, vous allez chercher à le faire tous les ans maintenant. Vous avez raison, il faut le faire tous les ans.
de la même manière que le symposium sur l'hydrogène, il faut qu'on prenne l'habitude de donner des rendez-vous à l'ensemble de la planète sur ces grands sujets, je l'ai dit, sur on quitte l'énergie fossile, et deux, on travaille sur les nouvelles mobilités. Bon, Le Mans, the place to be. Thank you. Merci beaucoup.